Elle a un message pour transformer des vies. Et c'est à elle de créer le contenu. C'est-à-dire, tu peux lancer donc quelqu'un qui reçoit un message pour une prédication. Mm. Forcément, quelque part dans ses prières, en connexion avec le Saint-Esprit, elle reçoit des paroles, elle lance ça, lance ça, et puis fait en sorte que tu communiques avec ton audience. Mm. Parce qu'il ne faut pas qu'il se calme sur vous. Vous avez une façon de communiquer particulière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes devenu un leader d'opinion. Vous n'êtes pas le genre de personne qui communique en direct avec des audiences qui font plutôt des directs, etc., des lives et tout ça. Donc il ne faut pas qu'il casse sur votre façon de communiquer parce que vous, vous avez déjà une autorité qui est assise. Et eux, ils doivent la construire. Mais ils doivent la construire par rapport à ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent véhiculer comme message, ce qu'ils veulent que les gens comprennent. Donc, on a les contrats signés avec nous. Tout est bon, Joss va scanner ça et puis te le renvoyer pour que tu gardes. Ils ont leur copie, nous on a nos copies à nous. La prochaine étape, c'est la conférence de presse. On est en train de voir si ça sera possible de te payer un billet pour que tu viennes pour la conférence de presse. Tu viens même pour 3 jours et puis voilà. Comme ça, on te voit aussi, ça fait longtemps. On est en train de... On ne sait pas, mais on te dira si c'est pas... Si c'est...